nous avons Madame Assis dans ce studio, même si rebonjour. Rebonjour Fatoumata Djani, rebonjour Kamal. En espérant que, bonjour. Que bonjour, tous les fumeurs merci. De la Guinée vont nous écouter pour connaître ton astuce pour arrêter de fumer naturellement. Oui, forcément. En fait, c'est pas les produits pharmaceutiques que je vais vous proposer ce matin, non plus les astuces naturelles. Je vais juste leur donner quelques conseils pour arrêter de fumer, sachant que la cigarette est très néfaste pour la santé. Hein, voilà. D'accord. Donc, pour arrêter de fumer, sachez contrôler vos habitudes de fumeur, tout simplement. C'est-à-dire, si vous avez l'habitude de fumer au réveil, au milieu de la nuit, après les rapports sexuels naturellement, il faut avoir tout simplement la volonté d'arrêter. Soyez prêt mentalement. À la maison, si l'envie est trop forte, il faut boire d'entrée un grand verre d'eau salée. Hein. Voilà, vous pouvez faire des pompes, c'est-à-dire, en tout cas, vous occuper à faire quelque chose pour que ces moments passent. Si vous voulez, vous faites l'amour, si vous pouvez, hein, c'est pas une obligation. Alors il faut fréquenter moins les personnes qui fument, c'est-à-dire il y a forcément les membres de votre famille qui fument. Souvent vous avez l'habitude de marcher, de vous asseoir avec eux pendant qu'ils fument. Si c'est le cas, vous devez leur dire tout simplement de ne pas fumer en votre présence. Si vous ne pouvez pas leur dire ça, dès qu'ils commencent à fumer, il faut quitter tout simplement pour ne pas que l'envie vous vienne. Évitez tout ce qui peut vous faire penser à la cigarette, c'est-à-dire les cendriers, les allumettes par exemple, et pourquoi pas les briquets. Ça vous fait penser à la cigarette, donc vous devez vous en éloigner. Si l'envie persiste, allez acheter tout simplement du chewing-gum, vous mâchez. Parce que au lieu d'aller acheter la cigarette, vous mâchez du chewing-gum, ça peut vous faire aussi passer... Mentholé. Hein. Justement, mentholé, ça peut aider. Ouais. Ne sautez surtout pas les repas ou bien boire des cafés, du thé ou des boissons alcoolisées à la place pour compenser ce vide. C'est pas bien pour votre santé. Il faut plutôt occuper vos mains soit avec une pièce ou avec un stylo à clic ou une boule à stress et tout. Ça, tout ça peut vous aider, en tout cas pour que vous ayez gain de cause, parce que la cigarette n'est pas bien pour votre santé. Donc, c'était quelques conseils là que j'avais à vous donner ce matin. Si vous les appliquez, comme je vous ai dit, ça va marcher, vous aurez gain de cause. Merci beaucoup.